Prise de nouvelles. Voilà. Rupture du contrat. Attendez, je regarde mes plats, mon petit plat. Ah, bon, viré de Sochaux, malheureusement. Donc on va se retrouver dans un club. Ça sera la ravie de revenir. Contrat terminé, 15 000 euros par semaine. Et nous allons commencer à... Pas de 8 diamants. Je suis en quoi? C'est quoi ça? Finir bien classé, finir au milieu de tableau. Watford. Qui a choisi? Combien de victoires? Oh là là, le massacre. Qui a choisi? Mais qui a choisi? Pas que dire, mais qui a choisi? Ah! Finir en milieu de tableau. C'est quoi, lui, d'Irlande? Choisir Watford en République d'Irlande. C'est équilibré. On prend donc une défaite, mais on va essayer de. Ça sert à rien de faire des recherches. On va essayer de trouver des recherches. Ah, ça me met en colère. Certains nous avons marqué et protégé une activité renforcée, les supporter à l'identité du club. D'accord, faire objet, ok. Essayer de survivre. Bon là ce match-là, tout ce qui est coupe, je m'en fous un peu. Bienvenue coach, tu m'as fait coup avec Prévost et je me suis fait virer à cause de ton contrat. Voilà, vas-y, avance. Putain, en plus je parle des transferts, voilà, je peux pas transférer, je peux rien faire. Allez, avant toute chose, on va essayer de voir. En plus, y a pas de match, hein. Alors, transfert. Équipe. Non, parce qu'on a comme attaquant, comme joueur. Ah, j'ai même pas de banc. Waouh. Ah si, j'ai un bon BU 19 ans. Oh là là, m'a dit qu'il y a 80, d'accord, vitesse. D'accord. Parleur. On va essayer de refaire une équipe par rapport à leur style de jeu. Alors, Luné, d'accord. Calvin. El Bouzi. 21 ans. Ok. Je sais même pas c'est quoi, c'est. Vous avez dit c'est algérien, je sais pas ce que c'est. O'Connor.
78 de détente, d'accord. Pas de spécificité. 182, 24 ans. Il a de la vitesse. Il y a du boulot. Plus c'est une équipe jeune. Hein. Un bon club, mais tant pis. Hein. Bon, déjà, on va voir ce qu'il donne là-dedans et on va voir un peu. Bon, toi, t'es trop vieux, tu vas dégager. Voilà, on va voir un peu le fond de jeu qu'ils ont, comment ils jouent déjà. Un match en plus je vais devoir jeter mon riz là. Ah. J'ai mal au genou. Ça m'a l'air un peu frais. On va couper le four. On peut laisser cuire tranquillement. On va enlever le plus gros. On peut vraiment se dire que c'est un choc auquel on va assister aujourd'hui, incontestablement. Salut à tout le monde. Comme vous l'aurez remarqué, c'est sous la neige que va se disputer cette rencontre. Un match que je vais vous commenter bien évidemment avec Pierre Ménès. Le rendez-vous du jour, c'est une demi-finale. On attend beaucoup de ce match, hein, Pierre. Il y a une place en finale à gagner aujourd'hui et dans 90 minutes, on saura laquelle de ces deux équipes aura été la plus solide. On peut s'attendre aujourd'hui à une rencontre on ne peut plus disputer. C'est un derby qu'aucune équipe ne veut évidemment perdre. Ouais, il a du soutien, il porte le ballon. Oh là 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 là, ça passe pas loin. C'est bien défendu parce que le tireur n'a pas eu le temps d'ajuster son tir comme il l'aurait voulu. Un joueur qu'il faudra surveiller avant ce match à mon avis. Trois buts sur ses trois derniers matchs, il est en jambes, on le voit. Et vu son état de forme actuel, je ne serais pas étonné de le voir s'illustrer à nouveau aujourd'hui. Barry. Voilà, ça joue vers l'avant. La voie est libre. Non, non, on a compris l'intention, mais c'est un adversaire hein, qui récupère. Ouais, c'est un corner. Ce ballon a été touché en dernier lieu par le défenseur. Et le tireur qui a visé la zone du point de pénalty. Ouais, il est un petit peu pris là quand même. Parce que c'est pas le ballon, il le perd. En position idéale pour centrer. Le gardien qui s'interpose sur cette tête. Il a cherché le point de pénalty sur ce corner. Ouais, pas le bon choix sans doute.
Ils reprennent possession du ballon. Chercher une ouverture, bien sûr. Il est bien placé, il peut centrer. Il faut trouver l'ouverture. Ouais, c'était pas loin, mais le ballon est dégagé finalement. Un changement de possession, il va falloir se réorganiser. On est sur l'aile. Il faut trouver une option disponible. Ah non, ce sera une sortie de but. L'action qui se poursuit. Ah, il y a beaucoup à jouer là, il n'est pas tout seul. Cherche une solution. Le ballon qui sort, ça va être un renvoi aux 5m50. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il poursuit son action personnelle. Bon tacle. Le ballon est perdu pour tout le monde là. McCormack. La passe est coupée, bien défendue. Essaye de trouver la faille. Ah, excellente passe. Oh, bien joué. C'était chaud. Il a dégagé. Attention, peut-être l'occasion de placer un contre. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour l'aider ? Et il gagne quelques mètres. C'est vraiment pas passé loin, cette contre-attaque, qui montre en tout cas qu'une équipe qui joue bien contre, elle peut vous piéger à la moindre occasion. Oui, et puis à n'importe quel moment du match en plus. Cette demi-finale qui a commencé il y a quelques minutes, une étape toujours importante pour un club, pour une sélection, de disputer une finale. Oui, oui, il y a une nuance quand même. Il y a des équipes pour qui c'est un exploit d'arriver dans le dernier carré, et puis il y en a d'autres pour qui c'est la moindre des choses. Ah oui, c'est clair qu'une demi-finale perdue par le Barça, c'est pas la même que pour une autre équipe. Voilà, et puis pour Guingamp, c'est un exploit. En profondeur, attention. Sans danger pour l'adversaire. Ça va être une touche. Où ça s'agite autour de l'arbitre. Ouais, c'est le jaune. Désolé, attends. Attendez, j'ai loupé ça. Je ne sais pas quelle est l'équipe de la terre. Ouais, j'ai loupé ça. Je vois, c'est un match de coupe. On fait tourner le ballon dans la moitié de terrain adverse. Beaucoup de maîtrise technique. Allez, après tout, pourquoi pas. Centre peut-être, allez. Bon, attention, c'est pas fini. Et 2 minutes seulement ont été ajoutées par l'arbitre. C'est une mauvaise passe, c'est cadeau. On cherche la faille dans la défense adverse. Et on a dégagé pour écarter le danger. Merci.
On vient de vivre 45 premières minutes de cette demi-finale. Petite analyse, Pierre. C'est très joueur, Hervé, avec ce score de parité. On sent que ça peut basculer d'un côté comme de l'autre. Mais enfin, ce qui compte, et c'est le plus important, c'est une belle demi-finale. Après le passage au vestiaire, c'est reparti pour 45 minutes. Ouais, 45 minutes avec du spectacle, ce serait cool, non ? McCormack. Allez, peut-être une bonne occasion. Avant centre, mais la défense est sereine. Pour intercepter cette passe. Interception. Allez, qu'est-ce qu'ils vont en faire ? McCormack. Non, elle est interceptée cette passe. Oh, le tacle et le ballon qui n'est pour personne finalement. McCormack. Bien défendu, il a coupé la ligne de passe. Ouais, très bonne anticipation sur ce ballon. Qui va revenir à l'adversaire. Ouais, faute, l'arbitre a tout à fait raison. Oh, il a du soutien, ça peut être dangereux. Ouais, toujours aussi précis dans ses passes. La passe qui trouve un joueur de l'équipe adverse. Et le ballon parti très loin, c'est dégagé. Transmet ce ballon. Sur son action. En retrait pour un coéquipier. Le gardien qui gagne son duel face à l'attaquant. Ouais, on voit des stats qui expliquent assez bien ce qui se passe. Cette équipe se crée finalement peu d'occasions et beaucoup moins qu'espérée en tout cas. Le ballon qui est rendu au camp adverse. Alors le ballon est perdu. L'entraîneur qui a demandé un remplacement. Le joueur est à côté de l'arbitre assistant. Il est prêt à rentrer au prochain arrêt de jeu. Cherche une solution là. Il essaye de trouver la faille. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour l'aider ? Le gardien, c'est pas fini. Non. Ah oui, il a du soutien, ça peut être très dangereux. Allez, dans la boîte, il y a du monde. Ah non, il n'est pas bien dégagé ce ballon. C'est sûr que c'est un moment du match où l'équipe a besoin du soutien de son public. Ça peut faire la différence. McCormack. On cherche une solution. Ah, la bonne opportunité. Il faut qu'il centre maintenant. On cherche des solutions là.
Et le magnifique arrêt du gardien. Il va donc céder sa place. Match assez moyen pour lui aujourd'hui. Allez, le corner est tiré au cœur de la surface. Le gardien qui va pouvoir se dégager. Il prend la frappe, il peut donner l'avantage à son équipe là. Et le but, il marque et son équipe qui passe devant. Non, c'est pas ça, il a un pied droit, il a un pied gauche. Et ces images nous montrent encore, il avait parfaitement suivi l'action, il était bien placé pour conclure cette action. Je vois pas ce que le gardien peut se reprocher là-dessus. Tiens, regardez, un nouvel angle de vue pour apprécier ce but. Et ça fait donc 1-0 au tableau d'affichage. Alors qu'on entre dans les 10 dernières minutes de cette rencontre. Il avance balle au pied. Est-ce qu'il va pouvoir centrer ? Là, c'est plus le centre deuxième poteau. C'est le centre troisième poteau, voire au quatrième. Il cherche une solution. Qu'est-ce qu'il va faire ? C'est parti dans la surface. Le centre au second poteau. Bon, attention, c'est pas fini. Ah, c'était dangereux. Mais la défense s'est dégagée au grand soulagement du gardien. Alors, touche longue, une touche courte, on va voir. On entre dans les 4 dernières minutes de cette rencontre. Et bien sûr, on entend les supporters qui chantent dans cette fin de match, qui encouragent. Oui, on sent que ça peut basculer sur cette action. Le 12e homme joue son rôle à fond. Ah, les supporters sont contents. Le ballon qui circule très bien dans cette équipe. Ouais, c'est beau à regarder. L'équipe est bien en place. Les joueurs se trouvent. C'est chouette. Pas beaucoup de temps additionnel, hein, seulement 2 minutes. Non, non, on a compris l'intention, mais c'est un adversaire qui récupère. Ah, ils sont en finale, Pierre. Ils sont en finale. C'est vraiment ce qu'on va retenir de ce match, bien sûr. La qualification était importante. Maintenant, il faut bien préparer cette finale. Hein. On a eu un bon joueur aujourd'hui, un sérieux appliqué dans ce match, bonne performance de sa part, en plus son équipe gagne. Une superbe prestation avec notamment le but de la victoire, ce qui est quand même important. Il a fait preuve de sang-froid et son équipe peut lui dire merci. Est-ce que c'est bon ou pas? Ça a l'air d'être bien cuit. C'est parfait. El Pueblo. En mode préparation de tomates farcies à El Pueblo. Voilà. L'émission de la sélection. Non, je suis vraiment coincé ici.
8ème, mais c'est quoi l'objectif, c'est de finir en kick. Hein. Jusqu'en mai. Ouais, l'objectif du CA c'est quoi? Attendre à la finale, Coupe e-sport, ce qui est fait. Finir en milieu de tableau 8ème. Parce qu'on est 8ème, donc c'est très bon. Après faut pas s'attendre à l'heure de finale. Il n'y a pas un peu. Oscar Sanchez. Toi t'es nul, toi tu vas pouvoir remplacer, montrer un peu ton talent, toi t'es jeune, tu peux jouer, tu vas remplacer, j'ai Brain 58, chez Zuskas, tu vas jouer, toi t'es pas rapide mais bon, on va faire. Il y a plus de tirs quand même. Et Ola Oalaran, tu vas jouer aussi. Une sorte de. Salut, bienvenue à tous. Nous vous accueillons aujourd'hui sous la pluie. Nous allons suivre ce match avec Pierre Ménès. C'est un match de championnat qui nous est proposé. Beaucoup d'attentes autour de cette rencontre, hein, Pierre. Oui, Hervé, encore un match intéressant à suivre entre deux formations dont on attend assez peu de fantaisie dans la compo ou sur le plan tactique. On va se contenter d'appliquer les recettes qui marchent. Et l'attaque va s'arrêter là. On va s'intéresser à la composition de l'équipe locale. L'entraîneur a fait le choix de positionner ses joueurs en 4-5-1 aujourd'hui. Avec une défense à 4, un milieu assez dense à 5 et un seul attaquant de pointe. La composition de l'équipe visiteuse à présent. L'équipe adverse va jouer elle aussi en 4-5-1, Pierre. Les deux entraîneurs qui ont choisi le même dispositif. Bon, 4-3-3, 4-5-1, ça dépend un peu de la position occupée. Oui, attention. Ouais, la tête qui rate le cadre, et pas qu'un peu. Oui, absolument aucun danger pour le gardien. Une équipe en plein doute hein, chez elle, qui accueille des joueurs qui, eux, perdent souvent à l'extérieur. Qu'est-ce que vous en pensez, Pierre ? C'est une bonne occasion pour l'équipe qui reçoit de reprendre confiance à domicile. Quant aux visiteurs du jour, je pense qu'ils essaieront de... D'abord de bien défendre et puis ensuite de peut-être de placer quelques contres. Oh, il n'est pas seul, il a du soutien. Chercher une ouverture, bien sûr. Une ouverture. Et l'attaque se termine, ballon dégagé. On cherche une solution. Attention à la frappe. Il vient buter sur le gardien qui était bien resté vigilant. Ce qui est bien quand on supporte cette équipe et quand elle joue à la maison, c'est qu'on est sûr qu'elle va mettre la pression sur l'adversaire. Ouais, une pression énorme même.
Et puis le public joue son rôle aussi en participant à l'asphyxie de l'adversaire. Allez, attention, il se rapproche du but adverse. Ouais, tout le monde participe à cette séquence de passes. Ouais, bon timing défensif hein, sur ce tacle. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour l'aider ? Bon, dégagement sans se poser de questions. Il essaye de trouver la faille. Qu'est-ce qu'il va faire ? Chercher une solution là. Il donne dans l'axe, attention. Ouais, du score dans ce match. À la joie du buteur, regarde-moi ça. Les supporters sont plutôt contents eux aussi. Et ces images nous montrent encore, il avait parfaitement suivi l'action, il était bien placé pour conclure cette action. Je ne vois pas ce que le gardien peut se reprocher là-dessus. C'est donc l'ouverture du score, 1-0. Ah, il y a beaucoup d'espace devant. Font tourner en attendant une ouverture. À la surface, il y a du monde. Il ouais, était bien parti le centre, mais il n'y avait personne. Allez, il faut centrer, c'est le moment. Il cherche le premier poteau. Ouais, sans problème pour le gardien, ce centre. La passe n'arrivera pas à destination. Avec cette pluie, le jeu va peut-être être accéléré un petit peu. C'est sûr, il faudra soigner les transversales et le contrôle. C'est pas toujours évident sous la pluie. Les joueurs vont sûrement privilégier le jeu court. Bon, l'arbitre qui laisse jouer. C'est à l'appréciation de l'arbitre, mais enfin bon. On cherche des solutions là. Oh, que c'est bien donné ça. On cherche la faille de la défense adverse. On monopolise le ballon d'un côté et dans l'autre camp, bien on attend. Allez, ça joue vers l'avant. En retrait, dans l'axe, c'est dangereux. Oh, il y est ! Qui permet à l'équipe de se détacher dans cette rencontre. Allez, c'est dur à digérer pour l'adversaire, mais on a déjà vu des remontées plus spectaculaires. C'est pas terminé, même si ce sera dur. C'est son deuxième but personnel aujourd'hui. Et nous voici donc avec deux buts d'avance, 2-0. Sort, ça va être une touche. Pierre, un petit mot sur ce stade. Un tout petit mot, hein, 12 000 places maximum. Est complètement à côté de ses pompes cette équipe, donc normal que le public s'impatiente. Si elle ne presse pas davantage. Oh là là, l'occasion. Elle s'en sort hein, sur ce coup-ci. Il y avait un petit peu le feu quand même. Le quatrième arbitre qui indique qu'il y aura 2 minutes de temps additionnel. Ah, le bon tacle, mais il n'arrive pas à conserver ce ballon. C'est lui qui gagne.
Ah non, le ballon est perdu. Et le break peut être fait à la pause. Le chien. Le match reprend à l'instant, début donc de la seconde période. Elle était bien placée pour intercepter cette passe. Ah, il enchaîne les bonnes passes. Oh oui, encore une bonne passe. Ils construisent patiemment, ils attendent l'ouverture. Ça va devenir compliqué pour lui là. L'ouverture. Le danger qui se... Ah oui, le tir. Ah, ça va rentrer, ça y est. Ballon qui frôle le poteau. Oh, imparable. Imparable pour le gardien. Magnifique ce but, il a privilégié la précision. Et ça finit dans le petit filet. Ah, le match qui a clairement tourné maintenant. L'équipe à domicile qui devrait bientôt effectuer un changement. Ça bouge sur le banc. Ouais, il lui remet. Ah, son tir est raté. Faute au terrain, sans doute. Un changement, Pierre, on dirait. Ah, Hervé, on a vu l'entraîneur consulter son staff avant de se décider. Ah, il bascule sur l'aile, histoire d'étirer un petit peu le bloc défensif qui est très compact. Il faut trouver une option disponible. Continue sa progression. Chercher une ouverture, bien sûr. On écarte le jeu. Cherche une solution, là. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour l'aider? On cherche des solutions, là. Ils prennent leur temps. Ils posent le jeu. Ça aboutit finalement cette perte de balle. C'est un bon espace, c'est cadeau. Peut-être une situation intéressante là. Oh, c'est dangereux ce centre tendu. Ah, cette attaque qui avorte finalement. La bonne lecture là pour intercepter ce ballon. En profondeur, oui, bien vu. Ah oui, le but qui vient alléger un petit peu la note. Ah, une note qui reste quand même encore un peu chéros, hein, pour espérer quoi que ce soit, on va pas se mentir. Hein. Avec ce nouveau but, ça nous fait donc 3-1 maintenant. Il reste exactement 20 minutes à jouer. On va construire en passant sur les côtés. Essaye de trouver la faille. Ah, il fallait oser hein, quand même
ce tacle dans sa propre surface, c'était dangereux. Ils ont trop tardé, l'adversaire a eu le temps de se replacer. Le remplaçant qui est prêt à faire son entrée sur le terrain, devant son public. Ah oui, il cherche un partenaire dans la profondeur. L'ouverture. C'est un ballon qui sort en sortie de but. Ah, l'entraîneur, il ose. En tout cas, c'est plutôt bon signe pour la fin de match. Ah, elle progresse bien là. On cherche la faille dans la défense adverse. Ah, une vilaine passe directement à l'adversaire. Contre-attaque peut-être. Ah, c'est un adversaire qui récupère cette passe. Les 9 dernières minutes du temps réglementaire. La passe est coupée et bien défendue. On assiste à vraiment un regroupement défensif, hein. C'est très net. Il porte le ballon. Il faut trouver une option disponible. Oh, il a passé son adversaire direct. Rendu à l'adversaire. Chercher une ouverture, bien sûr. Et dans cette passe, mais ça n'aboutira pas. Ah, il n'y aura que 2 minutes, hein, de temps additionnel à jouer. C'est fluide, ça circule bien. On voit des joueurs qui prennent du plaisir à jouer. Du coup, les supporters sont ravis, évidemment. Oui, la qualité des passes rend le jeu extrêmement fluide, c'est agréable. Ouais, la bonne récupération, très haut. Ah, le ballon qui est dégagé. Et ce match qui se termine donc à l'instant même. Bonne prestation pour ce groupe qui prend 3 points de plus. Oh merde, j'ai pas suivi moi, attends, j'étais même pas au courant. Ouais, j'étais pas au courant, merde, bah. Tant pis, hein. Tout le monde reste pas dans le club. Vraiment, du tout, c'est pas rester dans le club, on se démerde. La marge. On est loin là. On est 8ème avec 10 points de retard sur le 6ème. Et on a 10 points là, on va être mieux de talot, de toute façon, obligatoirement. On est 30, on est serein là.
sert, je peux rien faire. De toute façon, ça sert à rien. Non, c'est pas, on a battu. Bon, j'ai les joueurs frais, ça c'est une bonne nouvelle. On n'a pas suivi. Ah, il a eu. Ah, il a pas suivi. Oui, manque là. Ouf. Frappe de qualité ça. Attends, je vais manger encore un peu. On peut vraiment se dire que c'est un choc auquel on va assister aujourd'hui, incontestablement. Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui sous la pluie. C'est Hervé Bateau qui vous parle. J'aurai à mes côtés, comme toujours, Pierre Ménès. Au menu, c'est un match de championnat. On espère bien sûr se régaler. Ouais, Hervé, encore un match intéressant à suivre entre deux formations dont on attend assez peu de fantaisie dans la compo ou sur le plan tactique. On va se contenter d'appliquer les recettes qui marchent. Ce match devrait être intéressant avec deux joueurs qui vont plus particulièrement attirer le regard. Deux éléments clés de leur équipe. On attend beaucoup d'eux. Le classement, Pierre, il n'y a pas grand-chose à dire, à part que dans ce championnat, il y a quand même une équipe qui domine très largement les autres. Oui, Hervé, ça se passe de commentaires, en effet, en preuve d'une telle puissance. Et voici les 11 titulaires de l'équipe locale. Le schéma tactique de l'équipe, mise en place d'un 4-5-1. Un message clair, étouffer le jeu de l'adversaire dès qu'ils essaient de passer à la ligne médiane. Ils veulent faire bouger la défense avec ce très bon redoublement de passe. Allez, peut-être un bon ballon dans la surface. Ah non, ce ballon qui passe trop haut. Oui, il ne peut reprendre le ballon du haut de la tête et ne peut pas redresser la trajectoire. Et voici les 11 titulaires de la formation visiteuse. L'entraîneur a choisi de densifier son milieu de terrain en alignant un 4-5-1. On va donc voir un bloc assez homogène, évidemment pas du tout évident à bouger. Ballon qui est sorti en touche.
ce qu'il va faire. Ah, il va centrer, il va centrer. Le centre en retrait. Le gardien qui écarte le danger, mais ça joue toujours. Il sort, ce sera une touche. Ouais, très bon tacle. Le long de la ligne de touche. Ah, centre qui sort directement en sortie de but. C'est mal joué. Hein. La pluie qui a fait son apparition hein, pour ce match. C'est un facteur qui peut avoir son importance. Je pense notamment aux balles qui fusent et aussi aux appuis qui seront peut-être un petit peu plus délicats. Ouais, très bonne anticipation sur ce ballon. On sent une équipe en plein doute. Hein. Ouais, elle a besoin de points pour essayer de quitter la zone rouge, mais la situation commence à devenir bien compliquée. L'ouverture. Elle garde magnifiquement le ballon. Hein. Très belle séance de conservation. McCormack. Et l'entraîneur qui a demandé à ses joueurs de jouer le hors-jeu. Une tactique qui peut s'avérer payante quand on joue à l'extérieur. Interception. Allez, qu'est-ce qu'ils vont en faire ? Allez, peut-être une bonne occasion. Chercher une ouverture, bien sûr. Chercher une solution, là. On cherche des solutions, là. Ah oui, la bonne passe. Signalé hors jeu. Il aurait dû attendre pour faire son appel. McCormack. C'est donné sur l'aile. McCormack. Il cherche une ouverture dans cette défense. Le ballon qui circule bien pour l'instant. Oh, le centre peut-être. Le centre est contré, bien défendu. Je suis pas sûr qu'ils verraient bien leur joueur prendre l'avantage avec ce corner. Le corner, le ballon qui arrive au point de pénalty. On cherche une solution. On est en train de remonter le terrain. Ouais, très très beau geste défensif. Le ballon qui passe d'une équipe à l'autre. Bien lu la trajectoire du ballon qui est intercepté. Chercher ce ballon un petit peu plus bas pour essayer de créer un peu de mouvement. Attention, il y a un peu d'espace devant lui. Profondeur. Il faut trouver une option disponible. Et il dégage. Les statistiques sont plutôt éloquentes dans la possession du ballon. Les deux équipes font à peu près jeu égal. Mais pour ce qui est des buts, on espère en voir bien sûr. Mais jusqu'ici, quand même, on voit assez peu d'occasions. On écarte un petit peu le jeu. Ouais, ça, c'est bien taclé. Essaye de trouver la faille. Centre peut-être, allez. Ouais, corner, c'est le défenseur qui a touché le ballon en dernier. Un corner adressé au niveau du... Et le gardien qui s'est jeté sur ce ballon, magnifique. Allez, le plongeon là pour les photographes, même si c'est vrai quand même le danger était réel.
Ouais, enfin, ça fait un peu pop-corn comme intervention quand même. Mauvais dégagement, mal fait. Ça, ça peut devenir dangereux. Est-ce qu'il va pouvoir centrer? Contre ce ballon, l'un des joueurs qui laisse jouer. La personne va souffrir. Il est temps de faire une ouais, fois, la faute et l'arbitre qui accorde le coup franc. Un bon coup à jouer sur ce coup franc en jouant dans la surface. Alors, c'est pas cadré. Cette tête ne donnera rien. On peut pas dire que ce soit de la maladresse. Hein. Non, non, c'est surtout bien défendu. Il n'a pas pu faire ce qu'il voulait. McCormack. Ça circule bien, ils essaient d'étirer ce bloc. Oui, il va centrer. Cherche une solution là. Il cherche le premier poteau. La parade du gardien qui repousse le ballon en jeu. C'est la mi-temps ici donc. Pas de but marqué, 0-0. Moi, personnellement, je m'attendais à mieux hein, de la part de ce joueur dans cette première période. Vous êtes d'accord, Pierre? Moi, je trouve qu'il a été transparent. Hein. Pas de but, peu d'occasion. On attend quand même autre chose en grande période. Il va peut-être falloir qu'il se fasse un peu de violence. Allez, peut-être un bon ballon dans la surface. Alors ce ballon qui passe trop haut. Oui, il ne peut reprendre le ballon du haut de la tête et ne peut pas redresser la trajectoire. La seconde période qui reprend à l'instant. Elle était bien placée pour intercepter cette passe. Non, non, on a compris l'intention, mais c'est un adversaire hein, qui récupère. La dernière arrivée du côté de Man City qui a fait sensation et qui est officielle désormais. Oui, oui, Hervé a noté que le montant de la transaction aurait atteint une somme astronomique. Et le duel est gagné par le défenseur sur cette action. Excellente intervention, il récupère ce ballon. Bien donné encore une fois. Bonne transmission. Allez, il continue. Il reçoit du soutien. Faute, mais l'arbitre préfère laisser l'avantage. Voilà la faute, ça va donner un coup franc très dangereux. Ah, il y a un bon coup à jouer sur ce coup franc et une belle occasion de prendre l'avantage dans ce match. Le mur qui contre ce ballon qui est rendu au camp adverse. Il est bien placé, il peut centrer. Il cherche la faille dans la défense adverse. Il cherche une solution. Jolie séquence de passe. Il cherche des solutions là. Le ballon est perdu sur cette bonne intervention. L'équipe à domicile qui devrait bientôt effectuer un changement. Ça bouge sur le banc.
Il poursuit son action. McCormack. Il cherche un coéquipier dans la surface. Mauvais dégagement, mal fait. Il faut trouver une option disponible. Le ballon qui sort et le gardien qui va pouvoir se dégager. L'entraîneur, je crois, a demandé un changement. On va voir si ça change quelque chose au score ou à la physionomie du match. La bonne protection du ballon, là, bien campé sur ses jambes. On va pouvoir centrer. Chercher une ouverture, bien sûr. Oh, il s'est fait déposséder du ballon au tout dernier moment. C'est sûr que c'est un moment du match où l'équipe a besoin du soutien de son public. Ça peut faire la différence. Voilà, peut-être une bonne occasion. Ils sont dans la surface. Oh, le gardien puis le poteau. Le corner, le ballon en pleine surface. Mauvais dégagement là, attention. Oh, le gardien qui est sur ce ballon, sans problème. Oui, alors ça, c'est des stats qu'on n'aime pas. Peut-être que les gars vont se réveiller, mais là, vous la sentez venir, la grosse vieille purge. Et la passe qui trouve un joueur de l'équipe adverse. Les 15 dernières minutes du temps réglementaire. Un petit peu d'espace devant lui. Va-t-il parvenir à centrer ? Il faut trouver l'ouverture. Cherche une solution là. Oui, il y avait un espace, il l'a vu. Il essaye de trouver la faille. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour l'aider ? Le gardien qui repousse. Aucun risque, hein, pris par le défenseur qui met ce ballon en touche. L'entraîneur qui le fait sortir. On ne peut pas dire qu'il se soit vraiment illustré dans ce match. On rappelle ce score de parité pour l'instant. Qu'est-ce qu'il va faire ? Et ils vont jouer la touche. Voilà, je pense qu'il avait en tête. Il a donné ce ballon directement à l'adversaire. Ils sont allés presser l'adversaire pour aller lui prendre ce ballon. C'est remarquablement fait. Les 5 dernières minutes du temps réglementaire. Chercher une solution. Une énorme interception. Non, ce sera finalement un hors-jeu. Ah, il y a beaucoup à jouer là, il n'est pas tout seul. Ouais, le sauvetage, le but était presque rentré, il a sauvé son équipe. L'arbitre a décompté 2 minutes de temps additionnel. L'opportunité de faire basculer le match sur cette attaque. Ouais, très beau geste défensif, il a... Les deux équipes qui ne se départageront pas finalement, c'est terminé à l'instant. Là, ce match était aussi une question de suprématie entre ces deux formations rivales. Allez, peut-être un bon ballon dans la surface. Ah non, ce ballon qui passe trop haut. Oui, il ne peut reprendre le ballon du haut de la tête et ne peut pas redresser la trajectoire.
casse les couilles ton entraînement. Une dernière. Ah bon? C'est pas grave. De toute façon, moi je me casse après la fin de la saison. Ça me pète les couilles. Ah ouais, d'accord, direct quoi. J'ai pas laissé mon autorisation pour qu'il puisse prendre le joueur. C'est incroyable. C'est incroyable ce jeu. Il est incroyable. Il y avait une clause au monde pour qu'il puisse. Oh là là, lui c'est une chèvre aussi. Oh là là. Aïe 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 aïe. Ah bah si j'arrête de jouer, je suis fatigué là. Ah ouais, non, ça me gonfle. Ça me gonfle parce que j'ai pas demandé, je suis obligé de vérifier ça alors que normalement je suis, si je veux être dans le droit de. J'ai reçu des sous bon, pour ça. Donc j'ai perdu Lynch. Oh là là. Et j'ai perdu Dugan. Non, Dugan c'est pas trop grave. Lynch c'est un peu plus grave. Ouais. Bon, c'est bon. De toute façon, après moi je passe dans la saison, mais c'est pour ça. Bon, j'arrête le live là.